Rudiger. Jacob Michel, Martin Malek. Allez, c'est l'extérieur et en particulier le fait. Martin Malek n'est pas là, Stéphane Green, je vous le rappelle. Stéphane Green, la machine tourne. Ils nous ont fait la même chose, Edouard Kellet. Ils nous ont fait la même chose. Du 42e position. Du 42e position. À la guerre de Stéphane Green. De Kellet Hansen avec le dossard numéro 12, le champion du monde de 150 cm3. Gaëtan Stella qui roule quelque peu dans la douleur. On va lui souhaiter bien évidemment toute la réussite qu'il est en droit d'attendre. Gaëtan Stella avec la machine numéro 12. C'est le couloir numéro 4 avec la machine numéro 16, Fabien Roche pour l'Allemagne. Alors, on a le numéro de Paul Cooper qui part à la suite en extérieur.
Équipage numéro 76 sur le couloir numéro 2. À leur côté, Sean Harvey et Daniel Hogg, numéro 72. Et David Chaminade et Julien L'Église. Équipage numéro 11 sur la ligne extérieure. Guillaume Comblon qui est au contact. Guillaume Comblon qui est au contact avec Mitch Goudard et qui prend le meilleur. L'équipage britannique, Sean Harvey, Daniel Hogg, maintenant tête bien comme en deuxième position, alors que Mitch Goodman est relégué à la troisième place. Un petit peu plus de vitesse. Alors qu'on prendra le temps de plus intérieur et pour Mitch Goodman, et Paul Spissa. Alors que Guillaume Comblon, regardez de droite et de gauche, savoir où était Mitch Goodman. Il perd du terrain, Mitch Goodman. Allez, ça la très belle deuxième place de Guillaume Comblon et Chloé Agez et la troisième. Allez, retour sur le championnat d'Europe, manche numéro 4, ce coup-ci avec le numéro 1. Avec Max Tinder, la brunette blanche, couloir numéro 3 sur la ligne numéro 1, on retrouve Martine Malek qui avait chuté tout à l'heure, il est là Martine avec la brunette rouge, la brunette jaune pour Stéphane Prézarieux. Joseph Franck, très bien parti. Joseph Franck en mineur. Max Linder est en deuxième position. Allez, Joseph Franck, Max Linder, toujours en bagarre. On a la charnière. De course que j'ai déjà pour savoir ce qu'il en est, mais je pense que c'est vraiment très très chaud. Et on se retrouve avec la manche numéro 5. Ah,
française, Fabien Wash avec la bonnette rouge couloir numéro 1 pour Wash. Le numéro 5, Kenneth Hansen. Kenneth Hansen, numéro 5, la bonnette blanche. On a Bukel, Jacob Bukel avec la bonnette jaune. Couloir numéro 4. Dave Majory avec la bonnette verte. Dave Majory, bonnette verte. Couloir numéro 5 et à l'extérieur avec le dossard. Le numéro 13, Théo Pfeiffer. Je crois qu'on peut applaudir chaleureusement, mais quelle belle victoire! C'est quoi le talent? Je sais pas, 61. Non, mais c'est qui? Berliner, en allemand. Allez, James White. Fabien Walsh, James White. On a également Stephen Green. Stephen Green avec le numéro 4 et la bonnette rouge sur la ligne intérieure. Et à ses côtés, Edouard Kenneth avec la bonnette bleue. Le numéro 11 de Romano Hummel. Romano Hummel avec la bonnette blanche. Le numéro 18 de Paul Cooper avec la bonnette jaune. Et le dossard numéro 14 de James White. Thank you.
et Grégoire Benjamin. Tony Sarah, Grégoire Benjamin, machine numéro 84. Emmanuel Schramm, Frank Scheimer, Emmanuel Franck et Frank Scheimer, numéro 55, ligne numéro 1. Et Maurice Strom et Patrick Loffer, numéro 42 sur le couloir numéro 2. Strobe hein, qui se positionne en leader, Strobe avec la bonnette bleue, alors que Rostein est en plus. Holstein se rapproche petit à petit de Strobe. Maurice Strobe, numéro 42 avec Patrice Loffer, toujours en tête. Alors que Holstein. Et enfin, de se rapprocher petit à petit. Holstein, Martelette. Et toujours Maurice Strobe et Patrice Loffer. Holstein va peut-être tenter une trajectoire différente pour prendre un petit peu plus de vitesse, mais rien n'y fait. Maurice Strobe et Loffer pour cette équipage numéro 42. Très fort avec la machine numéro 95 et Dylan Trémy qui tente de lui faire l'intérieur. Noé Orna est la troisième position de Théo Huguenot. Conserver cette position de leader, Théogonie Noé Orna. Théogonie qui est en train de revenir sur Noé Orna. Noé Orna qui ne lâche pas. Et Théogonie voilà, qui prend le meilleur avec l'extérieur du leader de vitesse.
est en troisième position. Maintenant, Stella qui s'échappe. Mathieu Ménard est sur la ligne. Il a rendu l'âme, semble-t-il, de Max Tigler. Je crois qu'on va applaudir très 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 fort cette victoire de Gaëtan Stella. On dit ça hein, pour Joseph Franck. Numéro 11, c'est Romano Hummel. La bonnette jaune. Numéro 16 hein, de Fabien Roche avec la bonnette verte. Et le numéro 4 de Stephen Green, le britannique, sur le couloir numéro 6. Edouard Kellett à la lutte maintenant avec Dave Benjamin.
résultat, la manche numéro 9. Marty Svenostein, machine numéro 5 à Borostein, en deuxième position. Et l'équipage numéro 43 avec la brunette rouge. Il s'agit de Straub, Maurice Straub, sur le couloir intérieur. Qui part très fort sur l'extérieur et qui prend la position de leader là pour Hitzgoudin. Hitzgoudin qui ferme un petit peu la porte, mais Straub, regardez, ne lâche rien. Straub peut-être dans la ligne droite dans la montée là-bas. Hitzgoudin toujours leader. Gouden revient à l'attaque. Mutz Gouden face à Maurice Straub. L'Allemagne face à la Grande-Bretagne. Straub qui s'échappe et qui gagne quelques mètres. Gouden, la deuxième position. Magnifique, Holstein, qui l'équipage numéro 5 qui remporte cette manche à l'emprise d'une belle bagarre. Allez, Théo Igoni, Noah Urbla, Dylan Trémy. Excellent départ du Lamprini qui le coiffe. Lamprini, Théodoli et Noah Urbla. Lamprini, alors que regardez, Théodoli prend la vitesse sur l'extérieur, peut-être une meilleure trajectoire que celle de Lamprini pour Théodoli. Ça marche! Que lui venu sur Dylan Trémy. Le dernier tour! Ah, le coup d'à-coude! Le coup d'à-coude! Théo Igoni, Dylan Trémy! Et Théo Igoni, meilleure ligne, et puis du coup, bien conscient, ouais, c'est la position du cœur maintenant. Place de Noah Urbla. Alors, manche numéro 10. Manche numéro 10, la bonnette bleue, c'est Romano Hummel avec le dossard numéro 11, Romano Hummel sur la ligne numéro 2, Nikocek, bonnette verte. Manette couloir numéro 5. Berneiger en bonnette rouge à ligne intérieure. Paul Cooper, bonnette bleue, couloir numéro 3 pour Paul Cooper. Joe Piper est à ses côtés avec la bonnette jaune. Et numéro 9, Dave Majoring, couloir numéro 6, bonnette grise. Et
Sur l'extérieur, wow, coup d'un coup, ils sont trois,
Regardez Guillaume Gamblon. Victoire de Théo Hugoni devant Noah Urda dans cette catégorie 85, 129 cm3. Rouge, Martin Malek de la République tchèque. À ses côtés, Théo Piper avec la bonnette bleue. Bernheimer est avec la bonnette blanche à la ligne numéro 3. Le numéro 18 de Paul Cooper avec la bonnette jaune. Paul Cooper il est 4e. Et la bonnette verte pour le dossard numéro 5, Kenneth Hansen, est sur la ligne extérieure. Edouard Kenneth avec la bonnette blanche. Sur l'extérieur, Joe Piper qui reste maître, Edouard Kenneth, vous l'avez entendu,
touche les pilotes de la finale B. B. Hein? Normal, il y a C, B. Avant qu'il s'est planté. Ouais, pilote de la finale B avec James Chain. La bonnette rouge sur la ligne numéro 1. C'est côté Gaëtan Stella avec la bonnette. Ah, c'est bleue. La B. Max Kilber, bonnette 15. Attention à Joseph Franck avec la bonnette jaune, la machine numéro 17. À ses côtés, James Wright, c'est le Britannique, bonnette verte. Et le numéro 15 de Stéphane Prézarien sur la ligne extérieure, une ligne qui lui avait particulièrement été favorable lors des manches précédentes à Stéphane Prézarien. Allez, ça nous donne Stella, Dilger, Franck, Wright et Trésorieux. Stéphane. Quand la course a été interrompue tout à l'heure, il a fait un signe de la tête, un signe de dépit en disant « mince, j'avais un bon feeling, j'étais bien parti ». Il a refait magnifiquement Stéphane Prézarieux. Quelle belle victoire! Les applaudissements de Taïa Corlu pour des secondes de tête à Yac! Wow! Guillaume Comblon, bonnette blanche. L'équipage numéro 42 de Maurice Straub. Bonnette jaune.
Maximum de bruit sur le passage. Guillaume Comblon, Chloé Agès, vainqueur de cette finale. Superbe. Vous y êtes derrière du bruit. Ouais. Superbe. Les six pilotes qui sont en finale, celui qui remporte cette finale ce soir, maintenant ici à Taillac et nulle part ailleurs, sera champion d'Europe. Qui de Max Bilger, qui de Jacob Bucav, de Mathieu Trésarieux, de Dave Majoring, de Romain Dourmel ou de Stéphane Trésarieux va être champion du monde? Réponse dans les prochains instants. Romain Dourmel, la bonnette verte. Max Bilger, la bonnette blanche. Mathieu Trésarieux, la bonnette bleue. Stéphane Trésarieux, la bonnette rouge. Jacob Bucav, la bonnette jaune. Attention, ça se joue maintenant, mesdames, messieurs. Est-ce que le public est prêt à donner la voix? Est-ce qu'on est en Taillac? Stéphane Trésarieux, la bonnette rouge, ligne intérieure. C'est côté Max Bilger avec la bonnette blanche. Jacob Bucav, la bonnette jaune. Mathieu Trésarieux, c'est chose faite. De quelle manière extraordinaire! Thank you.
accueille couloir numéro 3, Shaun Harvey. Ça sent bon au dernier virage.